Chaque fois je demande à ta maman. Mais oui. Ton mari. Ça va, ça va. Bonjour. De ce village, pour vous montrer combien de fois ils sont très contents. Et ils tiennent sincèrement et sérieusement à cette amitié, à ce partenariat qui est entre l'association Karambé Nord et le village. Demain, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie, ils vont vous montrer les façons culturelles du village et on va échanger davantage pour que vous puissiez aussi partir avec les mots du village et voir comment on peut fructifier encore ce partenariat-là. Parce que le partenariat n'est pas un partenariat seulement donnant, mais donnant, donnant. Car nous aussi, on a préparé des choses que vous allez apporter dans les associations pour montrer notre participation à l'activité du 17 novembre prochain. Mais sachez d'abord, là où il a insisté, ce n'est pas un partenariat entre l'école seulement, mais c'est tout le village qui est concerné maintenant. Nous sommes très heureux d'être là, très heureux d'avoir pu fonder cette association qui, au départ, était pour aider l'école, mais qui, nous aussi, on est ravis de pouvoir faire un partenariat avec tout le village. Remercier Paula qui, depuis des années, nous a fait connaître ce village. Remercier l'instituteur et voilà quoi, je suis émue, très émue. Et puis de savoir qu'en fait, on n'est plus des étrangers, mais on fait partie du village maintenant. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci bien, madame. Marie-Pierre, je la considère comme ma sœur depuis longtemps. Même en France, c'est ma sœur. Ça a toujours été. On s'est connus là-bas, c'est vrai. Elle est venue ici. En France, quand je dis que Marie-Pierre, c'est ma sœur, les gens, ils ne comprennent pas trop. Mais c'est vrai, c'est ma sœur de cœur. Ça, c'est comme ça. Ça ne change pas. Ça ne changera pas. La première fois, je n'étais pas là. Ils sont venus plusieurs fois ici pour amener des choses parce que j'étais en France. Mais j'ai toujours vu des rois. Et ce que je tenais plus, moi, à dire, c'est tout le travail, c'est elle. Après Nadia et puis nous sommes venus dans l'association, mais elle a toujours dit, elle a toujours voulu qu'une association se mette en place pour qu'on puisse récolter des cahiers, des stylos, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse amener ici, parce que je crois que quelque part, elle est chez elle. Que ce ne soit pas 1 plus 1 égale 2. Donc, que chez vous et ici, formions vraiment un ensemble. Et toute la population en son nom est satisfaite et vous souhaite un bon séjour. Donc il faudra transmettre aussi les salutations de toute la population de Vigrum au maire. C'est la marelle? Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Ah bah moi j'y ai joué beaucoup aussi. C'est vraiment de la marelle.
Permettez-moi de remercier aussi Monsieur Paulin Colli, ancien directeur, Monsieur l'actuel directeur, ainsi que Monsieur Alassane Sagna, président de l'association des parents d'élèves. Ces relations amicales se traduisent par des actions, comme il y a quelques années avec un échange sur le thème des couleurs avec les enfants du groupe scolaire Jean de la Fontaine de Saint-Comté, donc à la personne de Nadia. Comme cette année avec la création d'une association dénommée Carambé Nord. Dans un élan de solidarité, ils nous associent et nous font connaître votre village. Ils ont tout dernièrement organisé une collecte de matériel scolaire pour le village. N'ayant pu être présent aujourd'hui, j'ai demandé à Madame Gosselin, donc moi, de me représenter. Elle aura l'honneur de vous remettre en mon nom, au nom des membres du conseil municipal et au nom des habitants de Saint-Comté, la médaille de la ville. Je vous prie de croire, monsieur le chef de village, en l'expression de mes sentiments distingués. Anna Mohammed Anao, Mortal Vichy Dami.
وصليا يا إلهي وصيا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم وصليا يا إلهي وصيا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم وصليا يا إلهي وصيا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم وصليا يا إلهي وصيا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم وصليا يا إلهي وصليا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم وصليا يا إلهي وصيا أبدا أن محمدنا مختار بالخدم.